Salut à tous, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous me sciez les côtes depuis des mois, des années, que je n'ai jamais accepté de faire et que je vais faire enfin pour vous. C'est vous expliquer les bons coups crypto-monnaie, les coups que je joue, pourquoi j'ai joué ce coup-là, pourquoi j'ai réussi à gagner de l'argent. Je vous explique tout. Enfin, je vais me lancer. Je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais accepté à l'époque et maintenant, j'accepte de le faire pour vous. Et en plus de ça, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez gagner un Ledger Nano S. Je vous dis les conditions en fin de vidéo. Donc restez bien connectés à la vidéo. On va enfin répondre à la question que vous vous posez tous. C'est quoi les bons plans crypto? Qu'est-ce que j'achète moi? Et qu'est-ce que je vais acheter dans le futur? Voilà, restez bien là et top! Maintenant, je vais vous dire que je vais lancer le fameux 100K Challenge. Retenez bien ce nom, le 100K Challenge. Ça va être le nouvel hashtag du groupe. Ceux qui vont participer me répondront dans les commentaires avec 100K Challenge. Ok, l'idée est venue du 10K Challenge en anglais, hein, 10K Challenge, là, qui a fait fureur, passer de 1 000 $ à 10 000 $. Comment on fait x10 dans les crypto-monnaies? Eh bien, moi, j'aurais l'ambition de mettre 10 000 € sur la table et d'essayer de passer avec vous, grâce à vous, à 100 000 €. D'où le 100K Challenge. Ok? Ce sera ça l'objectif. On va vraiment se challenger, faire quelque chose entre nous, en communauté. Je vais expliquer comment ça va se dérouler. Et voilà, moi, je suis très, très heureux de lancer là-dedans. Alors, pourquoi j'ai jamais révélé mes coups? Pourquoi je vous ai pas dit les bons plans jusqu'à présent? Pourquoi, etc. Parce que, évidemment, j'ai pas envie de vous donner des conseils parce que je suis pas conseiller financier et puis je suis pas devin et que dans les cryptos, on sait que tout peut se planter. Donc, voilà, moi, je n'ai pas envie de dire faites ça et puis si ça marche pas, vous allez m'en vouloir. Donc, déjà, si vous faites le challenge, moi, je vous dis directement, vous pouvez copier mes coups, vous pouvez tout faire, mais à vous de vous renseigner et je ne vous garantis rien du tout. Voilà, c'est ça. Moi, je dis ce que je fais, c'est que j'ai 10 ans d'expérience avec crypto-monnaie, donc j'ai essayé de faire ça de la meilleure manière possible. Mais voilà, c'est à vous qui êtes tenu de prendre la responsabilité de suivre ou pas mes coups. Donc ça, c'est en un, c'est le côté de ne pas vouloir vous influencer et d'avoir des reproches après. Et en deux, tout simplement parce que j'ai fait pas mal de coups risqués à l'époque, j'ai fait une boule de neige qui a commencé à grandir énormément, j'ai gagné pas mal d'argent et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de prendre de risques, de prendre des petits de mise en des petites monnaies qui sont risquées parce que c'est beaucoup de temps, des risques qui ne me servent à rien. Et voilà. Mais donc aujourd'hui, je vais me mouiller, je vais prendre 10 000 € de mon portefeuille, je vais les mettre sur une wallet et je vais jouer avec vous durant des semaines, des mois pour arriver à ces fameux, ce fameux x10, ces fameux 100 000 € grâce à vous. Et à moi, j'espère aussi, 100K Challenge, c'est parti. Alors, comment ça va se dérouler? C'est qu'à partir de la semaine prochaine, je vais tourner une vidéo où je vais mettre ces 10 000 € sur une wallet et je vais acheter mes premières crypto-monnaies avec. Je vous dirai les coups que je fais, combien je mets, etc. Tout sera montré. Et à vous de suivre ou pas ma position, ok? Mais ces coups, si je vais les faire, c'est parce que j'ai un feeling avec les crypto-monnaies que je vais acheter, mais aussi parce que vous allez ici dans cette vidéo, je compte vraiment, mais vraiment sur vous, d'où la communauté, mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous sentez qu'elles vont monter. Vous les mettez ici dans les descriptions, hein, hyper important, et vous mettez pourquoi. Ok? Chaque semaine, ça va être comme ça. Chaque fois qu'il y aura une vidéo sur le 100K Challenge, vous allez me mettre vos commentaires. Alors, celui qui a vraiment trouvé la pépite que j'ai accepté de mettre, j'ai accepté de mettre mes billes dedans, hein, et qui a influencé finalement la communauté, celle que j'ai observé, j'ai dit, ben ok, lui il a raison, et c'est là-dedans que je vais mettre, ça va être sans doute le meilleur plan, eh bien, ce sera lui qui va gagner la Ledger Nano S. Donc mouillez-vous, documentez-vous, écoutez autour de vous, lisez les forums, regardez selon vous les pépites qui vont exploser, et vous le mettez dans la description. Moi, j'analyserai, je répondrai, écoutez, ça ne m'intéresse pas, peut-être je me trompe, mais voilà, je dirais que ça ne m'intéresse pas, ou bien je vais dire, je vais analyser le coup. Si j'analyse le coup, c'est que je le sens bon, j'analyse, et après, à moi de décider si moi je vais les mettre mes billes dedans ou pas, ok? Mais bon, en tout cas, c'est grâce à vous si on va réussir à aller chercher ces fameux 100 000 €. Maintenant, ici, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez 100 € ou 1 000 €, vous adaptez. Le but, c'est de mettre 100 et alors, du coup, faire 1 000 ou mettre 1 000 et faire 10 000 €. Donc ça, c'est vraiment le but du challenge que nous allons faire ensemble. Ici, moi, évidemment, je parle de 10 000. Donc, vous faisiez tout proportionnellement en fonction de la somme que vous mettez, divisé par 10, divisé par 100 et vous mettez vos billes. Donc, si je mets un tiers, donc 3 300 € dans une crypto et vous avez 100 $, eh bien, vous mettez 33 $ dans cette crypto. Vous avez bien compris les règles. C'est juste essayer de faire ce challenge ensemble. Vous faites avec les billes que vous voulez, mais vous me suivez si vous voulez, mais c'est comme ça qu'on va faire. Donc voilà, donc je demande vraiment
à vous de mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous sentez bien. Mais documentez-vous, recherchez, commentez. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. En tout cas, moi, j'analyserai vos coûts si je trouve que c'est opportun. Et je reviendrai et je dirai des cryptos que moi, j'ai trouvé ou que vous, vous m'avez fait trouver. Et je miserai dedans. Et ainsi de suite. Et chaque vidéo, celui qui a trouvé la bonne pépite dans laquelle j'accepte, selon moi, de miser, même si elle se crache, eh bien, c'est celui-là qui gagnera le Legionado. Alors, s'il y en a un, deux ou trois bonnes pépites et que je prends les trois, évidemment, c'est celle que je estimerai qui sera la meilleure des trois. Et je le dirai pourquoi, ok? Et donc, je désignerai ce vainqueur-là. Donc là, ici, c'est plus la chance, le hasard. C'est vraiment celui que je sens qui est le plus la communauté. Alors, faites-le pour vous en un, parce que ça vous permettra de gagner de l'argent. En deux, faites-le pour la communauté, à qui vous permettrez de gagner de l'argent. Et en trois, faites-le parce que ben, vous avez gagné la Légion d'Anneau en plus. Donc, okay. Donc voilà, moi c'est vraiment une épreuve que ça me tient à cœur. N'oubliez pas chaque fois de mettre le hashtag 100K Challenge. Comme ça, on pourra se retrouver facilement sur YouTube, etc. Quand on a des commentaires, des indices, etc. Et aussi mes vidéos, si vous voulez les retrouver, la suite logique de mes vidéos, c'est bah, vous mettez ce hashtag dans YouTube et vous trouverez toutes les documentations sur les vidéos qui sont liées à ça. Alors, je vous dis quand même que les vidéos, je ne les ferai peut-être pas toutes les semaines. Ça dépend un peu de si l'actualité le permet, si vraiment il y a vraiment un coup à miser ou pas. Si c'est très calme, eh bien, ça sera peut-être 2-3 semaines d'attente. Mais ce sera toujours appelé 100K Challenge la suite. Je vais parler aussi régulièrement sur mon Instagram, pas au quotidien, mais régulièrement, des coups que j'aimerais bien jouer, pourquoi, commenter des choses sur les crypto-monnaies. Donc abonnez-vous, enfin suivez-moi, plutôt followez-moi sur Instagram, ça c'est important aussi. Comme ça, vous serez vraiment plus dans le combat encore. Mais sur YouTube, ce sera évidemment, dès que je ferai un coup, dès que je revendrai des cryptos et que j'en racheterai des nouvelles, eh bien, tout ça sera sur YouTube et ce sera tourné dans les 24 heures pour évidemment que vous soyez dans l'actualité et que vous ne loupez pas le coup qui... Eh bien, moi, je fais le coup et puis en fait, vous l'avez fait le 3 jours après. Après, c'est foutu pour vous. Voilà, comme ça, vous avez toutes les consignes. J'espère que ce challenge va vous exciter. J'espère qu'il va répondre à une demande que vous m'avez fait depuis hyper longtemps. Je reçois plein de messages de savoir dans quelle crypto-monnaie moi je mise. En plus, je vais me mouiller pour vous. Je vais reprendre ce que j'ai toujours entrepris à l'époque, que j'étais petit comme vous et que j'ai grandi. Okay. Ça va être un véritable challenge pour moi et ça va être aussi un challenge pour la communauté. Donc, je suis content de faire rentrer la communauté en jeu et avoir cette entraide qui commence parce que la chaîne commence à monter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour vraiment suivre ce challenge. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y en a beaucoup qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas. Maintenant, abonnez-vous pour être prévenu que ce challenge continue. Des coups que je joue, activez la cloche de notification et leur commentez bien, aidez-moi. C'est très, très important. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour mes premières mises. Je compte sur vous pour me donner les tuyaux parce que je vais analyser ça toute la semaine. Et la semaine prochaine, je me lance avec vous dans ce 100K Challenge.